حكيت من ناحيه يعني جميع لجميع الجوانب، يعني من ناحيه استحواذ، من ناحيه خلق الفرص، يعني سيطرنا بالطول والعرض على فريق بارادو اللي لعب بكتله دفاعيه يعني في الوراء، وعنده المرتدات تاعو اللي كانت يعني خطيره، وكنا نبهنا اللاعبين تاعنا من هذه الاشياء. كما شفتوا سجل علينا هدف يعني بطريقه بدائيه، كنا قادرين نتفاداوه يعني لانه يعني الهدف يعني ما جاش على اثر يعني بناء هجومي، جاء على اثر يعني عدم رجوع اللاعبين لما كانت يعني كره ثابته لنا. نظن يعني عدلنا النتيجه وكنا قادرين نرجعوا فعلا هذا الهدف الثاني ونسجلوا هدف ثاني. المردود تاع اليوم نبنيوا عليه امور كثيره، كما شفتوا يعني خلقنا العديد من الفرص على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى في العمق. نظن هذه الاشياء كامل ان شاء الله نخلينا نبنيوا عليهم ان شاء الله في المستقبل، وايضا نتفاداو الاخطاء اللي وقعنا فيه اليوم خاصه الهدف اللي سجل علينا. اللاعبين مشكورين من جميع الجوانب، يعني هذه المقابله تعتبر يعني معيار حقيقي للفريق، والفريق راهو يسترجع بدنيا يعني تدريجيا ويدخل يعني في رتم المباريات. كليما انكرويابل 40 ديغري نو سوم اجوي افيك ان شالور انكرويابل. La vérité que le rythme de première mi-temps n'est pas rapide. Même comme ça, l'unique équipe qui est arrivée au but contraire, c'est nous. Avec trois occasions qui peuvent donner la différence. Nous avons entré plus rapide dans le deuxième mi-temps. Nous avons avoir les stratégies de donner plus vitesse dans le couloir et surtout dans le jeu intérieur avec des mouvements circulaires sur l'axe à contraire. Nous avons profité marqué le but, mais c'était difficile aujourd'hui. Je n'ai pas content, même à parler de match nul extérieur, parce que nous avons fait un grand effort contre l'adversaire, contre le climat. Et contre beaucoup de choses qui s'y sont passées et qui n'est pas le moment pour parler. Donc vous n'êtes pas satisfait de Jérusalem ? Bien sûr, je ne sais pas. Satisfait quand tu marques un but et l'autre, l'adversaire n'a pas fait rien pour marquer le but, mais a marqué un but parce qu'on donnait le but, c'est tout à fait comme ça. Et nous avons mérité vraiment la victoire. Nous avons fait un bon mi-temps sur le plan stratégique, mais on ratait beaucoup de passes dans le plan technique, qui n'est pas l'habituel usuel dans notre équipe. Mais par rapport à d'autres choses, je pense que l'équipe a fait une démonstration claire de maturité, parce que Schleff n'est pas quelque équipe. Schleff, il y a bon, dans ses effectifs, c'est beaucoup de joueurs champions de l'Algérie. Beaucoup d'expérience, mais vraiment, uniquement. Et je pense que si vous avez regardé le match avec, par exemple, le premier match ici à domicile et le deuxième match ici avec nous, je pense que vous êtes remarqué ça, la différence. Comme je disais, alhamdoulilah, bon, comme je disais, les conditions du match n'étaient pas faciles avec une température à la base. Alhamdoulilah, on a fait un match nul. On a maîtrisé toute la partie. Je pense que Marquina, quand le Mubarak Kam fait ça, mais l'arbitre a sifflé un penalty. Je pense que le match existait, je pense. Mais bon, on verra. On va oublier ce match, Inch'Allah. On va penser à le prochain match, Inch'Allah. Les Marachas vont être faciles. Inch'Allah, comme ils disent, c'est une autre chose qui va nous donner un défi, Inch'Allah, pour le prochain match.